Encore une belle salutation aux amis sportifs ou même cap suivre nous en Haïti et à l'étranger. Actualité à ce plan local. Première phase éliminatoire Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'était troisième et dernière journée qui était disputée hier dans le stade Silvio Cator. Première rencontre en journée a été mise aux prises. Équipe Saint-Lucia qui était perdue devant Curaçao 4-1. Et deuxième match a été prêté Haïti face à la aux prises Haïti face à la République Dominicaine. Et déjà dans la regardé, première dame République là, président qui était fait déplacement tout dans le stade 14, qui était bel et bien présent. Et là était hymne national et haïtien. Là c'est Olivier, et accompagné du président pays à Papali. Et première dame là, cap et cap chanté hymne national pays. Là c'est salutation d'Israël, le président de la Fédération haïtienne de football Yves Jambard, Dida Dotella, président cap Corriver, dit monsieur Kembela, Corella. Donc, et c'est comme ça, ça t'a pas démarré avec déjà un bel coup franc pour les Dominicains, un bel coup de patte du gauche, mais ballon a été suivi une trajectoire vraiment rentrante. Gardien pas trop, ballon a été battu dans ça là et reprise. L'autre attaquant dominicain a été passé à côté. Haïti a répliqué rapidement avec un débordement sur la gauche, on centre et à contre-pied, s'il vous plaît. Wisner, le rival, a marqué le premier goal là, le même qui est considéré comme meilleur joueur sélection nationale des moins de 17 ans. D'ailleurs, nous sommes venus dans le studio Télé-Guinée pour annoncer que l'Ibral fait un pile bagaille. Là, c'est bien l'équipe présidentielle qui a fait déplacement et l'ambiance qui a gagné dans ce stade-là. Le public a fait déplacement en grand nombre et avec et surtout Digicel qui a fait un pile maillot et surtout un pile confetti pour monsieur qui est capable de faire un pile fête dans ce stade-là. Là, nous regardons gol là. Merci Jim Charles pour belle réalisation. Ça. Là, on a occasion de deuxième but, mais portier. Et Dominique a un bel réflexe pour te repousser ballon. On a regardé là encore une fois, monsieur bloqué, il a juste tiré là, voilà. Portier dominicain qui est arrivé. Et nous tombons là en deuxième mi-temps avec justement l'entrée numéro 11 ça qui fait en pile par en pile, l'entraîneur Maxime Auguste sous tir écran. N'a suivi action ça très bien. Un bel contre-attaque de l'équipe haïtienne, numéro 11 la montée, monsieur attaqué, il cassé défenseur, l'aller et un coup de patte du gauche au deuxième goal là. Vraiment un très bel goal qui était délivré qui va ici, là. Monsieur qui était monté dans le deuxième mi-temps. Et là, on regarde par l'entraîneur Maxime Auguste. On a regardé monsieur encore là qui a pas accéléré. Nani, là, il casse le défenseur dominicain. Il avance en situation et un bel coup de patte du gauche. Gardien pas 3-1. Donc il est 2-0 pour l'équipe haïtienne qui était vraiment un très bon match hier soir. Mais quand même pas démérité pour les Mexicains. Merci président. Cap salut le public là. Et là, on s'entend au retrait de numéro 11 là. Encore, Wisner de Rival pour une tête croisée dans le deuxième poteau qui a réalisé le doublé et le troisième but de l'équipe haïtienne pendant qu'il a pris garde l'action. Mais le gardien qui a pris le premier poteau, il s'est fait tout coup de tête là croisée. Donc, à contre-pied dans le deuxième poteau, 3-0 pour l'équipe haïtienne. Et Dominique qui a pris le retour dans le match là après la déviation de Sasso Koufran qui a été frappé dans mi-temps. Et quand le ballon a été tourné, il a été réduit le score là. Donc, le score final là. Il y a qu'on a pris garde d'action encore une fois. C'est l'équipe dominicaine qui a réduit ce score là. 3-1 pour l'équipe haïtienne au coup de sifflet final. Là, c'est ce fameux numéro 11 qui était monté dans le match. Qui a fait un pile bagaille. Numéro 20 a tout fait un très bon match football. Là-bas, un pile Zidane là. Nous, ouais, très bien. Jusqu'à ce que Dominicain a frappé la tête. Et c'était le coup de sifflet final. Vraiment, qui, ouais, que l'équipe haïtienne a fini avec 9 points sur 9. République Dominicaine finit avec 4 points, 3e Curaçao finit avec 4 points et Sainte-Lucie finit avec 0 points dans la compétition. Donc c'est comme ça a été hier soir pour dernière journée et il y a trois coupes du monde des moins de 17 ans dans stade du 14 et déjà annoncé dans fin mois de juillet après rien U20 pour entrer dans la bataille. Donc c'était vraiment très très belle ambiance dans ce stade là, bien que nous étions là les amis sportifs. Et tout de suite après match football là, il y a un entraîneur qui parle ici, Maxime Auguste. Et bien, dans l'intervention, il mettait accent surtout sur l'autre mission Grenadier de gagner pour te faire victoire ça pendant le profiter, demander bureau fédéral là pour mettre plus bonne structure en place pour question pour capable bien préparer sélection pour deuxième phase compétition. Entraîneur national Maxime Auguste devant les caméras de Guinness Sport. Je dis à vous, un match assez difficile, mais nous réussissons à nous c'est qualifié pour le second tour. Nous battons ce qu'on est trois ans. Peut-être qu'on connaît que le match a été difficile, vu la pression et le jeu que le match a été gagné. On connaît que le
respecte la sous qui paraît que c'est difficile pour jouer à l'autre et gérer la pression ça. Et on voit ça dans le premier temps, je vais pas faciliter, faire une grande passe la facile, nous faire une plus difficile. Mais heureusement, notre mal bon bloc qui était maintenant dans la confiance. En deuxième mi-temps, l'équipe Saint-Domingue venait lâcher, point de bonne. Et puis, donc, mais nous posons pas mal de problèmes parce que la défense en fait, nous font presser nous sur la défense-là qui fait que ça a jamais joué avec nous. Mais finalement, donc, c'est ça qui est bien important et nous qualifier pour ce monde. Donc c'est ça qu'on est fixé comme objectif. Ericsson a souffert de l'entente, qui est M. Rio en même temps. Et puis dans les deuxième temps, nous avons commencé à faire. Et puisque j'étais gagné, on a fait un choix pour changer de défense. Ça a fait une bonne année, mais on peut mettre au courant que Ericsson défend en tosse dans le droit. Donc, il était gagné pour faire un chemin. Premièrement, il faut que nous participions à des tournois. Que c'est nous qui faisons le tournoi, ou bien aller à l'extérieur. Deuxièmement, on a fait une préparation dans le pays qui fait un football assez élevé pour l'équipe à affronter avec une équipe. Pour que si monsieur n'a pas gagné l'expérience, parce que ça n'a pas gagné. Nous sommes ça dans le match, nous avons gagné l'expérience internationale. Et pour que l'expérience internationale, c'est des matchs avec des équipes étrangères pour vous faire. Ça fait que je vais proposer que nous ferions une préparation en Argentine, parce que là, nous connaissons qu'à faire très bonne préparation. Donc, si l'État et la fédération sont capables de la formation en Argentine. Parce que la deuxième fois, nous avons présenté Jean-Louis là, parce que la Réunion mondiale avec l'équipe qui pissonne que ça nous fait. Nous faut que nous fassions beaucoup en défense. Parce que nous avons dit que jouer au là, c'est nous qui n'avons pas une honte. Il faut que nous mobilisions nos joueurs au niveau de défense centrale, au niveau de milieu défensif et en attaquant. Parce que c'est ça le seul jeu que nous avons fait. Nous n'avons pas une honte. Il faut que nous dégagions, nous cherchions l'intérieur ou bien l'extérieur. Il faut que nous recrutions nos joueurs pour nous renforcer le deuxième. Deuxième, nous pourrons nous faire jouer ensemble. Là, nous avons le facile. Et notre seul métier de facile, c'est de Richelet. Et comme le métier, c'est de métier offensif. L'ensemble de la paix, il y a un de métier offensif. Mais il y aurait aidé, 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 il y aurait a